Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur Clash of Clans pour vous montrer la nouvelle mise à jour qui est sortie aujourd'hui. Donc vous allez voir, on a eu un petit bateau qui était là à peu près depuis un mois. Et en fait on pouvait pas aller dessus pour l'instant parce que la mise à jour n'était pas encore sortie. Et du coup ça y est, on peut aller dessus. Donc voilà, ici à cet endroit-là, le village principal, rien a changé. Au niveau du magasin, oui, un peu la photo, mais sinon rien a changé ici au village principal. Et du coup, on va aller faire un petit tour sur la nouvelle ville. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a pas mal de nouvelles choses au niveau de décoration, armée, défense. Et voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Canon double, piège à pousser. Il y a vraiment pas mal de choses. Je vais pas tout dire non plus, mais ça a l'air, c'est cool. Elle est vraiment assez cool la nouvelle mise à jour. Je pense qu'ils ont fait du bon travail. Et du coup voilà, ça va vraiment changer. Bon, on a une nouvelle ville du coup, donc voilà à quoi ça ressemble. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la nouvelle ville sur Clash of Clans. Après voilà, là ici c'est l'usine pour améliorer les personnages. Donc on va essayer de trouver un combat tranquillement à faire. Donc j'espère que je vais gagner quand même. Donc on va prendre les barbares, pour l'instant on a que ça, on n'a pas trop le choix j'ai envie de vous dire, donc on va attaquer tranquillement. On n'en a pas beaucoup, on n'en a que 4 pour commencer, mais c'est déjà pas mal. Merde, j'ai un peu merdé le canon, ouais, il me reste plus qu'un du coup, c'est pas grave. Bah, du coup Amri c'est mort. Ouais, c'était sûr, c'était sûr que c'était mort, tu m'étonnes. On a perdu. Alors... Du coup c'est vraiment pas mal parce que dès qu'on perd, lui il attaque directement et on peut savoir qui c'est qui a gagné et tout. Au niveau victoire ou défaite, ça dépend. Donc là je vais améliorer parce que j'ai un maximum de... Je peux le faire, donc voilà, lui il a gagné du coup. Hop, ça c'est fait. Donc du coup on peut regarder... Ah rage, ah d'accord, il peut se transformer. Ah ça c'est cool ça par contre. Enfin, je lise tranquillement. Enfin, je fais ça la petite vidéo tranquille de mon côté, mais après, je pourrais regarder tranquillement le jeu, lire, apprendre à jouer. J'avais arrêté depuis un an à peu près le jeu, et là, du coup, vu qu'ils ont fait une nouvelle mise à jour, ça a l'air intéressant. Donc, du coup, je pense que je vais retourner dessus, tout simplement. Après, si vous voulez rejoindre mon clan, dites-moi-le dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment assez cool, j'aime bien la nouvelle mise à jour, le concept et tout. Après voilà, c'est un peu dommage par contre qu'on peut pas faire grand chose pour l'instant. C'est un peu logique. J'ai réussi à détruire le canon, ça c'est cool. Mais dites-moi ce que vous en pensez de la mise à jour, petite note, si vous l'avez trouvé bien, si vous pensez c'était ça, ou si vous avez dû vous avez voulu avoir autre chose que une autre ville. Parce que c'est vrai, il faut gérer les deux villes en même temps, c'est un peu chiant. Mais bon voilà, après il faut voir les avantages ou pas, c'est ça qu'il faut se dire. Moi je trouve c'est vraiment pas mal qu'on a deux villes en plus, et je trouve ça assez cool. Donc hop, votre attaque, victoire. Ah, lui aussi il a fini une victoire aussi. Duel, non, ah d'accord, il peut reprolonger le duel, d'accord. Donc ici on a des choses à débloquer aussi. Tour de l'horloge, une mine de gemmes, machine de combat, et c'est tout. Ah, il y a vraiment pas mal de choses à découvrir quand même, hein. C'est assez cool, hein. C'est assez cool, c'est assez cool. Il y a vraiment pas mal de choses à découvrir. Alors ça, après, il faut faire pour la suite, bien sûr. Et je pense qu'on peut bien s'amuser pour un bon moment. Donc, je vais retourner sur la ville principale. Après, le petit souci, c'est que dommage, tout l'argent qu'on a sur la ville principale. Tout l'argent qu'on a sur la ville principale, je vous disais, c'est dommage qu'on peut pas. La transférer sur l'autre compte parce qu'on voit tous les thunes que j'ai, c'est dommage qu'on peut pas. Après voilà, c'est comme ça, mais faut faire avec. Mais voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de la nouvelle mise à jour. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un petit j'aime, puis donner votre avis dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite et ciao bye bye, salut tout le monde.